Contrairement à la boule, la bobine se déplace dans un seul sens, d'avant en arrière. Le principal apprentissage réside dans la compréhension par l'élève de l'inversion du mouvement. Pour avancer, il faut reculer avec les pieds et pour reculer, avancer. L'arrêt est parfois difficile à construire. Il faut appuyer plus fortement avec les pieds dans le sens inverse de celui du déplacement initial. Quelquefois, lorsqu'il a pris de la vitesse, l'élève ne parvient pas à ralentir et à arrêter sa bobine. Il faut donc très tôt apprendre à descendre en sautant délibérément vers l'avant.